Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, pour la première fois sur la chaîne du Caribou Canadien, le jeu Hellblade, Senua's Sacrifice, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Et qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Et qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? J'ai fini à 80% ce jeu. Éclair la luminosité pour ce dessous est à peine visible. Confirmer les modifications. Rien fait. D'après moi, une dizaine d'heures, je devrais pouvoir le finir. Bonjour, qui es-tu? Peu importe, bienvenue. Tu ne crées rien avec moi. Je resterai tout prêt pour te parler sans alerter les autres. Je vais te raconter l'histoire de Senua. Une histoire déjà terminée. Il commence à nouveau. Ça respire. La tête respire. Elle se rapproche de Jillian. Un voyageur au cœur des ténèbres, c'est la dernière des histoires. Et te sens venir. Il arrive. Pardonne mon impolitesse, je ne t'ai pas parlé des autres. Tu les entends, n'est-ce pas? Ils sont là depuis le drame. Enfin, après, certains sont vieilles, d'autres non. Mais elles ont changé, les ténèbres les ont changées, comme elles ont changé Senua. Regarde, là-devant, tu le vois aussi, oui, c'est bien réel. Elle est enfin arrivée au pays de brume, les Nordiques l'appellent elle. Repars, c'est dangereux. Ils sont là.
Regarde, et tu les verras noyés, malades, massacrés. Ils gisent là, pourrissent dans les champs et les rivières de Hell. Mais parfois, la mort bouge. Ce n'est pas un lieu de repos. Tu les sens t'observer? Ils la regardent. À quoi pense-t-elle? Elle a peur. Toi aussi, tu aurais peur. On aurait cru qu'elle s'habituerait après tout ce temps, mais les ténèbres... Et sa morcelle se renforce, plane sur elle. Tu dois essayer de les ignorer, de t'en détourner. Mais elles sont toujours cachées là où tu es le plus vulnérable. Un rayon de lumière dévoile leur pouvoir de suffocation. Elles le savent. Ils te sentent. Ils savent que tu es là. On pourrait croire que son courage la pousse à partir seule, mais il n'en est rien. Le courage n'a un sens que pour ceux qui ont peur de mourir. La peur de Senua est bien plus profonde. Que regarde-t-elle? Qu'abandonne-t-elle? Je sais ce qu'elle pense. J'entends ses pensées. Il est encore temps de repartir sur le canot. Personne ne jugera. Personne ne saura jamais. Oh, elle nous a entendus. Elle veut repartir. Elle a peur. Repart. On ne brousse pas chemin. Senua rejette au monde qui a causé tant de souffrances. Il n'y a plus rien de bon à retrouver. Et le pire est là, à venir. Et si tu nous rejoignais, tu as peut-être un rôle à jouer. She needs to focus now. She needs to use her eyes. N'oublie pas mes histoires, Senua, car les ténèbres arrivent de Hell et ton destin s'y trouve. Ils disent qu'un cadavre en feu t'amènera droit aux portes de Hella, mais les dieux et les vivants suivront ce chemin. Tu dois quitter les îles d'Orkney par la mer de l'Est et trouver une route menant au nord, puis en bas de la vallée sombre et profonde. Après 9 nuits à cheval, tu suivras une grande rivière et trouveras un pont couvert d'or, le début du chemin vers Helheim. The path to Helheim goes from there, a
à travers la rivière des couteaux qui descend du sombre monde de Niflheim. Ils arrivent, tu es lâche, sors. Cours, elle doit courir, pourquoi elle ne court pas? Les ténèbres sont là, elles sont soif de vie et chassent comme une meute de loup, mais ce noir ne s'arrête pas. Pas cette fois. Vois-tu Hemhem? Il est là, dedans. Je le sens. Le pays de la brume, le vieux fou avait raison. Qu'a-t-il dit? La rivière des couteaux et les salles de Hel. De l'autre côté, un endroit qu'il appelle Hemhem. Il est perdu, tu ne peux le sauver. Où es-tu? Où es-tu? Je t'entends. C'est Noah. Aucun doute possible, la source des ténèbres est à Hemhem. Et la déesse est là, qui tient son âme. Tu ne le trouveras jamais. J'arrive. Celle de son Dillian, bien-aimé. Pourquoi fait-elle ça? Pourquoi ne pas faire demi-tour? Elle le fait pour lui. Elle veut le sauver, mais il est déjà mort. Et son âme est toujours à Hemhem. Son âme vit toujours. Elle doit lui offrir le repos. Ne pas le laisser pourrir là. Elle va devoir essayer. Le pont menant à Hemhem a oublié son nom. Elle oublie aussi, mais elle sait que seuls les morts peuvent le traverser. Difficile à oublier. Le vieux fou a parlé de chemin secret. Puis monter. Allons voir ça. Le pont menant à Hemhem. Les Nordiques parlent de neuf mondes, Midgard, celui des hommes. Asgard, celui des dieux célestes. Vanaheim, celui des dieux de la terre, des récoltes, du vent et de la mer. Alfheim, celui des bons elfes. Svartalfheim, celui des mauvais. Jotunheim, pour les géants des montagnes. Mospenfenheim, celui des géants de feu. Et Nefheim, celui de la glace et des ténèbres. Et enfin, Hemhem, que seuls les morts habitent, c'est là que tu dois aller. Là-haut, Grimm, qui est-il là-haut? Chut, silence!
she waiting for? Why did she do that? Pourquoi elle fait ça? Elle ne peut plus repartir. Non, c'est ça le chemin caché. C'est dangereux, touche. Ne me tue pas, je ne suis pas des leurs. Je me cachais ainsi, je vis plus longtemps, ces salauds. Ne m'attraperont plus jamais, jamais, mais qui es-tu? Les ténèbres arrivent. Ce n'est qu'un souvenir. Écoute-le, il ment. Drew, c'est toi? Dans mes légendes, chez les Nordiques, on me nomme Drew, le vieux fou, le menteur. C'est bon de te revoir, fidèle à ton serment. Pour te guider dans cette vie et la suivante, puis je te raconte mes histoires de Hell. Puis je te les raconter. Raconte-les-moi encore, vieil ami. Les runes, regarde par ton œil intérieur et tu verras ce qui se cache à la vue de tous. J'en vois une. Garde-la dans ton œil intérieur. Trouve la même pour ouvrir la porte. Je suis stupide. Ah, je pensais qu'il fallait synchroniser. Il est proche, regarde la porte. Elle s'ouvrira. Qu'y a-t-il derrière la porte? Ça a marché. Je suis resté 6 ans esclave d'elle, mais j'ai appris les coutumes des Nordiques.
Je le sais. Tu m'as écouté quand tout se moquait. Mon peuple a payé de lourds tributs en compte mes histoires. Et ensemble, montrant notre fureur aux Nordiques. Une autre voix nous rejoint jadis. Elle essaya de le repousser et de faire comme si elle n'existait pas. À bon point, quand nous sommes toujours là. C'est comme pour la peur du vide. Tu peux faire comme si tout allait bien au bord, mais tu sais que la mort est proche. Et longtemps que tu glisses, ces pensées ne se cachent pas, ou plutôt, ces pensées ne se chassent pas. Enfin, je tiens mon équilibre, I guess. Le monde des morts est contrôlé par Ella, le géant, fille de Loki. Les dieux craignent sa lignée mauvaise du côté de sa mère et pire encore de celui de son père. Ainsi, enfant, le père de tout l'envoya à Helheim pour régner sur ceux que la maladie, la vieillesse, les épreuves ou le suicide emportèrent. Dans tous les 9 mondes, seule Ella pouvait ressusciter les morts. Ton déliant a été sacrifié pour elle, tu dois marchander avec elle. La porte Rampart, tu dois l'ouvrir. La porte de Helheim sépare vivant et mort. Est-ce ce visage de Hela, la déesse à moitié corrompue, régnant sur Helheim? Quelle que soit l'horreur, derrière cette porte, elle doit le trouver. Où ça l'est, tu peux y arriver. Chut, il y a quelqu'un. Les ténèbres. Toi, c'est toi qui me l'as pris. Je t'en supplie. Laisse-le partir. Je te donnerai ce que tu veux. Je ne résisterai plus. Rends-le-moi. Imbécile.
Tu vas mourir. Une vision de l'avenir. Oh, Senua, les ténèbres ne négocient pas, elles ne résonnent pas, elles sont putréfaction et vont s'amasser dans la tête jusqu'à son âme, jusqu'à ce qu'elle ne reste plus rien d'elle. It will spread towards her head, the seed of the soul, until there is nothing left of her. Toutes ces souffrances n'auront servi à rien. Ce n'est qu'une question de temps. C'est juste une question de temps. The dark world will grow. La pourriture noire s'étendra à chacun de tes échecs. Si la pourriture atteint la tête de ce nuage, la quête est terminée. Et tout progrès est perdu. Je veux dire que le jeu, tu peux arriver puis tu es prêt à tout recommencer le jeu au complet. Les plus rudes batailles sont celles de l'esprit d'Ilian à lui appris. À chaque défaite, le noir pourriture grandit et elle enverra bientôt son âme. Mais pour l'instant, ce nuage garde le contrôle de son esprit. Elle honorera sa promesse, quoi qu'il en coûte. Écoute-moi, Senua. Elrem est derrière cette porte. Pour l'ouvrir, tu dois d'abord affronter ceux qui la gardent sur Dieu du Feu, Valheim, Dieu de l'illusion. Fais couler leur sang pour ouvrir la porte entre ton pays des morts. La porte de Valheim vers Dillian Varela, elle ne s'ouvre pas.
Valran, c'est des voyants maîtres des corbeaux. Il utilise ses pouvoirs d'illusion pour chasser et se repaître de leurs dépouilles. Trouve Valran et vainle pour gagner sa marque. La porte Valhelm ne peut pas s'ouvrir sans elle. Ymir était un géant de glace, un être de ténèbres comme tous ses fils et ses fils après lui. Certaines de ses filles et de ses petites filles étaient monstrueuses, d'autres attirantes. Et il y en avait une autre qui venait de la glace, Buri, grand et puissant. Il ressemblait à un homme. Son fils Bor et une belle géante comme épouse, ils eurent trois fils, Odin, était l'aîné. Pour les Nordiques, il était le plus grand des dieux, le père de tout. Vision cache le chemin vers Valran. Ne crois pas tes yeux. Trouve un autre moyen de voir vrai. Qu'est-ce que c'est? C'est un pont, mais c'est pousse-le. Toujours là, Gwen? Elle a réussi. Regarde, ça a changé. Le vois-tu pourquoi elle ne le voit pas? C'est drôle, nous voulons voir derrière le voile, mais quand c'est fait, nous voulons vite oublier ce que nous avons vu. Comment on fait pour sauvegarder là-dedans? Il y a juste des sauvegardes automatiques? Sanua n'a jamais pu fermer les yeux. Elle a tout essayé, imploré.
J'ai pris quelle paix pour voir les choses autrement. Une fois le regard plongé dans les ténèbres, ceux qui y rôdent vous voient aussi. Les Nordiques ne l'arrêteront pas. Elle trouvera ce qu'elle cherche. Les illusions de Valravn reviennent des corbeaux. Allez, aligne-les pour briser son sceau magique. Montre-moi ce que tu as vu, Drood. Cherche tout est différent maintenant. Pour briser le sceau, aligne les corbeaux avec la marque du Valravn.
En même temps, je focus de même. Pense en toi. Ah bon, là. Quelque chose a changé. Peux-tu le ressentir? Tu sens aussi? Comment entrer dans un autre monde, identique mais différent, une imposture où la forêt elle-même t'observe. Une autre porte, tu sais quoi faire. Briser le sceau en ligne des corbeaux avec la marque de Van Halen. Tu l'entends, la chanson de Valorant, concentre-toi. J'entends un bruit. Tu entends la chanson de Valorant, celui-là est trouble. Reconnais ces illusions, tu ne peux pas toujours croire tes yeux. Ok, ouais. Valorant, défie-moi. Il a disparu, où est-il? Tu l'as perdu, tout est ta faute.
Affronte-moi. Elle l'a perdue. Elle a déjà été l'hiver dernier avant le drame. Elle parcourait sa terre natale vivant de la baie des racines de lapin. Tu es encore perdu. Tu es stupide. Mes parents, nous appelons cette personne du Guild. Druth, il est devenu pour faire pénitence et pour éliminer une malédiction. Ceux qui nous en reviennent sont changés à jamais. Tu l'as encore perdu. Tu es stupide. Est-ce que tu m'entends bien lorsque je parle? Elle peut se lever maintenant. C'est la magie. Une ruse, la magie de Valravn. It's a trick. She's doing it on her own. He's not tricking her. It's magic. It's an illusion. Comme s'il faudrait un pont pour me rendre jusqu'à là-bas. Là. Chose qui va pas là. Et voilà. We picture fear.
Nous voyons la peur comme un ange dans les bois, une créature dans la nuit. Ah, si c'était si simple. Le pire vient sans prévenir, un signal qui vient de plus profond. Il nous rappelle que le danger peut être là, même si on ne le voit pas. Je ne peux pas y entrer, Drew dit qu'il y a toujours une autre voie. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu. Hellblade. Live. Sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!